Ouais, alors cette semaine, je reviens avec une des nouvelles phares. C'est la promotion des Intermarchés sur le Nutella. Hein, donc à moins 70 le pot, ça fait 1,41€. Moins 70 le pot, mais juste cette phrase-là me fait délirer. Mais continue, c'est génial. Donc certains magasins ont même mis une limitation en place de pot par personne. Hein, donc c'est simple, on serait cru en plein rationnement, avec bien sûr les émeutes qui vont avec. À Charleville-Mézières, une consommatrice rapporte à l'Union « Les cartons volaient, ils se sont insultés, se sont bousculés comme de vrais tarés. » La police a même dû intervenir dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment à Roubaix, mais ça, c'est normal. Ça s'est mal passé, du coup. Oui. Alors, ceci a valu des remontrances à la direction d'Intermarché par le ministère, par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, craignant que ce genre de bousculade ne se badasse. ne se banalise, pardon. Alors moi, j'ai quelque chose à proposer à monsieur le ministre, hein, une suggestion radicale qui devrait à coup sûr stopper ce genre d'élan. C'est changer la pub de Nutella et la rendre un peu plus proche de la réalité. Dans un pot de Nutella, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, je vais te le dire, ce qu'il y a dedans, ma cocotte, tu vas pas être déçu du voyage. Hein. Alors d'abord, pour le goût, il y a des noisettes sélectionnées pour leur qualité. Du cacao cultivé en Afrique et cueilli après les pluies d'été, hein, qui rendent les fèves plus grandes. Oui. Plus grandes que les enfants exploités pour les récolter, bien sûr. Du sucre extrait de betteraves essentiellement françaises qui te donneront des grosses fesses, les dents noires et du diabète. Pour l'onctuosité, de l'huile de palme, au bon goût de cholestérol et de déforestation. Un peu de vanilline et c'est tout. C'est un peu violent. J'espère vous avoir bien dégoûté. Hein. Délectable. D'autant plus que notre pays comporte de vraies spécialités et traditions culinaires. C'est d'ailleurs ce que propose de récompenser le JT de 13h de TF1. Hein. Il suffit de voter pour votre plus beau marché sur le site web de l'Est-Éclair ou l'Union. Hein. Et le marché choisi pourra alors être départagé au niveau national. À la clé, un duplex pour le marché gagnant. Et peu importe le résultat, hein, même si on n'est pas dedans, ça sera toujours l'occasion d'admirer la réintroduction du Jean-Pierre Pernaut dans son milieu naturel, c'est-à-dire entre les terrines en tout genre, les pâtés de campagne, les eaux de vie frelatées... les eaux de vie, pardon. Frelatées. J'avais mal compris. Et les fromages qui sentent l'arrêt. Voilà. Et on se retrouve du coup dans deux semaines. Merci beaucoup, sur ces bonnes paroles. Est-ce que dans deux semaines, on aura du coup la promo sur les brocolis à 90 centimes Bah écoute, si Intermarché le fait, oui. Donc ça, c'est la presse. Si Intermarché le fait. C'est la presse qui nous le dira. Oui, on verra. Très bien. Eh bien, merci Lucas.